une nouvelle vidéo où nous allons parler un petit peu. Aujourd'hui on se retrouve pour que vous puissiez encore mieux apprendre à me connaître avec le tag 99 questions étranges, bizarres, enfin voilà, je sais que c'est un très très vieux tag mais on s'en fout. Avant de commencer, je voulais m'excuser de la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo parce que en fait, comment vous dire que j'ai eu un gros problème de vidéo, je l'avais, etc, elle était montée, mais en fait, je l'avais en entière et tout sur mon ordi, mais elle se coupait, enfin genre, je comprends pas, c'était étrange. Mais bon, du coup, je voulais pas vous sortir une vidéo de mauvaise qualité où il y avait rien ou quoi, enfin c'était très étrange, du coup j'ai préféré ne rien mettre, je m'en excuse, ça va vous plaire, c'est parti. Si tu pouvais changer de prénom, lequel voudrais-tu avoir? Alors déjà j'aime bien mon prénom donc je pense pas le changer, mais j'aime bien les prénoms Nathalie, Natacha et tout, j'aime trop ce genre de prénom, je trouve ça grave classe. Aimes-tu le temps des fêtes? Mais oui, j'adore les fêtes, c'est un truc de fou, genre les fêtes de Noël et tout, mais ma passion. Préfères-tu les cheveux longs ou courts? J'aime bien les deux honnêtement, les cheveux longs et les cheveux courts, j'aime trop. Genre parfois je vais avoir mes périodes de cheveux longs, parfois mes périodes de cheveux courts. Je pense que vous aussi, je pense qu'on est toutes pareilles. Voilà. As-tu déjà eu les cheveux noirs? Alors non, mais je me suis déjà fait une couleur plus foncée que ma couleur de cheveux. Voilà, du coup, c'était pas du noir, c'était un tout petit, c'est châtain foncé on va dire, ouais, châtain foncé. Quelle est la chose la plus chère que tu aies déjà brisée? What? Plus cher, genre, ça dépend dans quel sens on prend cette question. La plus chère dans le sens objet. Pff, honnêtement, je ne sais pas. Chantes-tu dans la voiture? Ben oui, quelle question, mais oui. As-tu déjà pêché? Yes. Oui, oui, j'ai déjà pêché, en effet. Ça peut paraître étrange vis-à-vis de moi, mais en vrai, j'ai déjà pêché et j'aime bien, voilà. Aimes-tu l'école? Ça va, honnêtement ça va. Ça peut être pire. C'est... ouais, ça me déplaît pas. Mac ou PC? PC. Tu es déjà foncé dans un mur? Bah oui. Quelle question, oui. Honnêtement, oui. Là je m'en souviens plus, hein. Honnêtement je me souviens plus de la scène, etc. Mais je sais que j'ai déjà foncé dans un mur, mais... mais 10 fois 1000 quoi. Je vous dirais un oui fois 1000. As-tu déjà sauté d'un pont? Mais ça va pas, non. Pourquoi je sauterais d'un pont? Déjà j'ai peur des ponts, ok? J'aime pas les ponts, vous savez les ponts en bois où il y a des espaces et tout. J'ai toujours peur que ça se casse. Donc pourquoi je sauterais d'un pont? Crois-tu au karma? Oui, je crois au karma et honnêtement j'y crois vraiment. Je ne sais pas vous, mais moi j'y crois et j'espère que du coup la roue va tourner comme on dit. Combien de langues parles-tu? J'en parle 3, mais pas couramment. Enfin, je parle couramment le français, je parle l'anglais, genre ça va. Et l'espagnol, c'est un peu plus compliqué, mais j'aime trop ces 3 langues. Ces deux langues étrangères, j'aime trop. Après, il faudrait que je m'améliore, quoi. J'aimerais trop devenir bilingue, mais ça, c'est un autre level. C'est un autre niveau. Aimes-tu Halloween? Oh, j'adore Halloween, mais j'aimerais trop aller aux USA pendant Halloween, genre il y a des citrouilles de partout, les maisons assez décorées et tout, ça a l'air dingue, mais genre vraiment ça a l'air magnifique là-bas. Franchement j'aimerais trop aller aux États-Unis en Amérique pour Halloween parce que eux ils le fêtent vraiment genre à 100%, et ça c'est juste dingue, c'est incroyable. Dans l'ambiance et tout, après j'aime trop. Pourrais-tu devenir garde du corps? Alors honnêtement vu mon gabarit, non, et honnêtement... non. Sans penser au corps et tout, non, je pourrais pas. Pourquoi, je sais pas, mais je pourrais pas devenir un garde du corps. Genre, tu parles pas, t'es à côté d'une personne. Ouais, non. Quelle est ta saison préférée? Alors, honnêtement, j'ai pas de saison préférée, j'aime toutes les saisons. Parce que dans chaque saison, je vais vous trouver un truc que j'adore. Genre, Noël, ça va être la neige, ça va être les films de Noël. Noël, il y a mon anniversaire aussi dans les périodes de Noël. L'été, il fait chaud, la plage et tout. Le printemps, les couleurs, ça refleurit et tout. Les fleurs en printemps et en automne, les couleurs aussi, j'aime trop les feuilles mortes et tout. Enfin, dans chaque saison, il y a toujours un truc qui a son charme. Et je sais pas comment dire, mais du coup, j'ai pas de saison préférée. As-tu déjà sauté en parachute? Non, j'allais dire oui mais non, c'était du parapente que j'ai fait et c'était super bien, je vous conseille vraiment de faire du parapente, c'est méga bien. Aimes-tu les manèges? Alors, manège à sensation, oui et non. Parce que genre, j'aime pas, ça me fait mal au ventre, vous savez cette sensation dans le ventre et tout, genre,
Il faut pas que ça soit hyper beaucoup en manège à sensation pour moi. Sinon ça va, j'aime bien les manèges, mais quand c'est une trop forte sensation, genre une grosse sensation, c'est pas trop mon style. As-tu déjà construit un igloo? Non, mais j'aimerais bien. Pourquoi pas, why not, comme on dit, un jour peut-être. Si tu pouvais voir en spectacle n'importe quel groupe, qui voudrais-tu voir? En groupe, en spectacle. Groupe, spectacle. Ok, donc c'est pas concert. Si c'est en tant que spectacle, j'aimerais beaucoup aller voir le Lac des Cygnes, mais c'est pas vraiment un groupe, parce que genre, il y a plusieurs académies de danse qui le font. Ou Casse-Noisette. Mais sinon, en spectacle, je sais pas du tout. En groupe, je vois pas du tout, mais pas du tout quoi. Quelle est ta ville préférée? Alors, j'aime. Il y a pas mal de villes dont j'aime bien. J'ai pas de ville préférée du coup, parce que genre j'adore Paris, j'aimerais être. J'y suis allée déjà une fois pendant un petit week-end. J'aimerais trop y retourner d'ailleurs. Enfin, il y a Biarritz, c'est magnifique là-bas. Il y a vraiment pas mal de villes en France qui sont super belles, super jolies. Après, bien évidemment, j'aimerais être Londres, mais n'en parlons même pas. Et il y a plein d'autres villes aux États-Unis que j'aimerais voir et qui me donnent vraiment beaucoup envie. Donc j'ai pas vraiment de ville préférée. Après, faut voir aussi l'ambiance, etc. Mais j'ai pas assez voyagé pour vous dire quelle est ma ville préférée, je pense. Tu mesures combien? Je mesure 1m67 si je me trompe pas. Que voulais-tu devenir quand tu étais enfant? Alors quand j'étais enfant, je pense que comme tout enfant, je voulais devenir chanteuse, actrice aussi. Ouais, je crois que c'est tout. Nomme-nous une mode que tu détestes. Oh, les modes, genre... J'ai pas de mode que je déteste en vrai. Si, les sarouels. C'est moche, c'est pas beau. Qui porte encore des sarouels? En vrai, je juge personne qui en a, qui en ont porté, etc. Mais moi, j'aime pas. C'est pas mon goût, c'est j'aime pas. Et voilà. Pour ceux qui aiment, tant mieux pour eux. Mais moi, j'aime pas du tout ce genre de mode. Qui était genre bien longtemps. Tu des piercings? Alors oui, j'en ai un à l'oreille, j'ai le conche et après j'ai deux trous sur les oreilles de chaque côté. Mais j'aimerais bien m'en faire peut-être un deuxième. J'hésite encore, j'y réfléchis, je vous en dis pas plus, voilà. As-tu gradué du secondaire? Je comprends pas. Donc question suivante. Chat ou chien? Alors j'ai un chien. J'ai déjà eu des chiens. Et j'en ai toujours un. Mais mon animal préféré c'est le chat. Donc faites avec. Connais-tu ton propre numéro de téléphone par cœur? Oui, je le connais par cœur. Genre, je peux te le sortir d'un coup, mais je vais pas te le dire. Parce que c'est pas qu'on est sur YouTube, mais un petit peu. Hein. As-tu déjà fait partie une rumeur? Alors, non, jamais. Et franchement, je vois pas pourquoi je ferais partir une rumeur sur quelqu'un, sachant que c'est faux, alors que ça peut détruire une personne. Enfin, je comprends pas les délires. Si tu pouvais apprendre n'importe quelle langue, laquelle choisirais-tu? J'aime. En fait, la langue que je préfère, c'est l'anglais, genre américain et british. J'aime bien les deux. Du coup, j'aimerais bien me perfectionner dedans. Mais du coup, si je pouvais l'apprendre, n'importe quelle langue, choisirais ça. Mais en soi, l'espagnol aussi, j'aime beaucoup. Le chinois ou le japonais, ça a l'air. Genre grave dur à parler, mais c'est grave satisfaisant de dire je connais et je sais parler le chinois ou le japonais. C'est incroyable. Ou le langage des signes. Le langage des signes, j'aimerais trop apprendre à parler en fait. J'aimerais trop apprendre à faire le langage des signes. Parce que c'est... Ouais. Demandez-moi pas pourquoi. As-tu nagé? Bah oui. Quelle question? As-tu au coup de foudre? Oui, j'y crois, ça peut être en tant que... ami ou tant qu'amour, genre amical ou pas, moi j'y crois, mais c'est très rare, voilà, et s'il vous plaît ne me jugez pas par rapport à mes réponses de mes questions, j'attends d'ailleurs vos réponses à ces questions en commentaire, allez j'attends, écris, vas-y écris, j'attends, c'est bon? Ok, next. Danses-tu dans la voiture? Absolument, oui, bon c'est un peu compliqué. Bien évidemment, je danse pas souvent, mais quand je danse, je me fais engueuler parce que je crie en même temps, parce que je chante, et je suis avec ma sœur, ça part en cacahuète.
As-tu déjà gagné un concours? Pas que je sache. Oui, j'avais fait un concours en collège par rapport à la SVT, je crois, un truc comme ça. Genre, c'était un concours qui était proposé. C'était pas vraiment un concours en fait. C'était où? Je sais plus ce que c'était, mais c'était pour gagner des cadeaux en fait à la fin. J'ai pas gagné en fait. Je suis tombée genre dans les 10 premières ou un truc comme ça. Mais j'ai pas gagné. Et je me souviens pas d'avoir participé à un concours où j'ai gagné. Parce qu'en général, si je participe à un concours, je perds. Crois-tu aux fantômes? Oui, j'y crois. Que veux-tu en cet instant même? En cet instant même, ne pas avoir de devoir. Non, ouais, ne pas avoir de devoir. Parce que c'est pas que j'en ai un petit peu beaucoup, mais un peu. Et c'est pas qu'il faudrait que j'aille les faire, mais un peu. Vanille ou chocolat? Je dirais plutôt chocolat. Parce que la vanille, parfois, ça dépend quelle vanille. Mais franchement, il y a des glaces à la vanille. Genre, oh mon dieu, ça me fait penser à un médicament que je prenais. Le goût, c'est... Oh, c'est horrible. Genre le goût du médicament quand t'es malade en voiture, le sirop. Ah, oh, c'est dégueulasse. As-tu déjà eu un PV en voiture? Alors non, sachant que je n'ai pas le permis, je n'ai toujours pas de PV. Voilà. Es-tu paresseuse? Absolument pas. Je suis obligée d'être dynamique. Genre j'aime pas rester chez moi. J'aime pas rester assise sur un canapé à rien faire. Sinon je m'ennuie. Et si quand je m'ennuie et que je trouve absolument rien à faire et que je fais ça dans la journée, j'aime absolument pas. Du coup, j'essaye toujours de trouver quelque chose à faire et quand je trouve vraiment pas, je suis sidérée. Voilà. La dernière personne que tu as appelée. La dernière personne que j'ai appelée, nous allons voir ça tout de suite. Alors, c'était avec une de mes amies. Je ne divulguerai pas son prénom parce que je ne sais pas si elle veut que je le dise sur YouTube. Mais c'était lundi parce qu'en fait, lundi, j'avais pas cours et j'étais pas au courant. J'avais pas vu sur Snap, mais m'en fous un peu, non, voilà. As-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu avais connu sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai déjà rencontré quelqu'un, c'était dans un tram, il y a pas très longtemps. La fille, elle me disait quelque chose, hein. Je l'avais déjà vue sur Instagram, sauf que j'avais oublié son prénom et tout, et j'étais là en mode, mais c'est qui déjà? Puis après, je l'ai retrouvée, du coup, voilà. Mais je crois que j'ai rencontré quelqu'un d'autre aussi. À moins que c'était dans mes rêves. Ouais, ça devait être dans mes rêves, disons. J'ai déjà fait du cheval. Oui, j'ai déjà fait du cheval une fois, deux fois. Ouais, j'ai déjà fait du cheval. Et franchement, j'aime trop. Mais c'est pas ma passion non plus, mais j'aime trop. As-tu le vertige? Alors, un petit peu. Franchement, j'ai le vertige, mais un petit peu. Faut pas que ça soit trop haut non plus. Et faut que je sois à l'aise sur la plateforme où je suis. Parce que sinon, je suis vraiment pas à l'aise et j'ai peur. Peux-tu nommer les 50 états américains? Absolument pas. Merci. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma? C'était A Star Is Born, que j'ai adoré. J'ai kiffé ce film. Et je vais bientôt retourner au cinéma pour aller voir un autre film que j'attends avec impatience. After, s'il vous plaît, sortez maintenant. J'ai envie de voir ce film. S'il vous plaît. J'ai trop envie d'aller voir ce film, c'est un truc de fou. Quel est le dernier film que tu as vu en DVD? En DVD? Mais mon dieu, ça fait un méga longtemps, ça fait un bail. Je pourrais même plus vous dire. Parce que mon lecteur DVD, il marche même plus. Du coup, mais depuis des années, hein. Du coup, je pourrais pas vous dire. Vraiment, honnêtement, je pourrais pas vous dire. Avant que c'était le film Lou, je me rappelle quand j'avais vu ça. Mais après, je me rappelle pas du tout. La princesse, super héros préféré. Alors j'ai pas de princesse ou de héros préféré. Honnêtement j'en sais rien parce que je les aime bien un petit peu toutes et tous. Mais j'aime bien Cendrillon. Franchement la première personne qui me vient à l'esprit c'est plutôt Cendrillon. Donc regardes-tu Revenge. Désolée de la prononciation. Alors non, c'est une série, un film. S'il vous plaît, ne me tapez pas sur les doigts, je ne veux pas. J'en ai déjà entendu parler, mais je crois que c'est une série. Je sais pas du tout. As-tu déjà été opérée? Pas que je sache. Non. Non, j'ai pas été opérée. Quel téléphone possèdes-tu? Donc moi c'est un Samsung. Un Samsung quoi? Alors bonne question. Je sais pas, c'est un Samsung, écoutez. As-tu peur de prendre l'avion? Alors honnêtement, je l'ai jamais pris. Du coup, je n'ai pas trop peur. Franchement, j'ai envie de prendre l'avion, donc non, j'ai pas peur. Un aliment que tu détestes? Alors, avant, j'aimais pas certains aliments, mais maintenant, je les mange, je les aime. Et je crois
qu'il n'y a aucun aliment que je n'aime pas. J'ai réfléchi là. Sur le coup, j'en trouve pas. Ça se trouve, j'en trouverai au montage où je demanderai à mes parents, je sais pas. Mais franchement, sur le coup, j'en trouve pas. Hein. Pas trop les choux de Bruxelles, mais je les déteste pas. Mais genre, j'aime pas trop. Il y a un truc que j'aime pas, que au sel, on mange. C'est pas les salsifis. C'est autre chose. Ça y ressemble un peu. Mais j'ai oublié. Donc tant pis. As-tu des films d'horreur? Alors non, mais. Parce que franchement, j'ai été traumatisée par un film d'horreur. C'était genre Massacre à la tronçonneuse. C'était le premier film d'horreur que j'ai vu. Et honnêtement, ça m'a traumatisée. Je n'ai plus jamais regardé de film d'horreur de ma vie pour l'instant. Après, il faudrait peut-être que je retente un ou deux, mais qui font pas trop peur. S'ils font pas trop peur, ça va. Genre, il y a un film d'horreur qui me tente, que j'ai envie de regarder. Mais encore, ça va, il fait pas trop peur. Genre, Annabelle et tout, je regarderai pas, tu vois. Mais il y a un film. Genre, je crois que c'est Action Vérité. Mais apparemment, il est nul. Non, c'est pas ça. Je sais plus, mais bref. Ça, honnêtement, j'aime pas trop. S'ils font trop peur, j'aime pas, je next. Si ça va, si la bande-annonce me plaît et que ça fait pas trop peur, je pourrais regarder. Comment mange-tu les matins? Alors les matins, je peux me faire de tout, je peux manger des œufs, je peux manger en vrai sucré, salé, je mange tout. Mais vraiment, genre je prends du pain avec du miel, un fruit, je prends toujours un fruit. Je peux prendre du yaourt, enfin du fromage blanc, je peux prendre... je peux prendre quoi d'autre? Des flocons d'avoine. Ouais, franchement, je me fais de tout. Genre, ouais, œufs brouillés, œufs au plat, tout ce que tu veux. Pépite. As-tu déjà été réveillée pour plus de 24 heures? Je crois pas. Mais je me rappelle qu'avec une amie, on avait essayé de rester éveillée pendant 24 heures. Mais je crois que ça a pas marché parce que je crois que je me suis endormie. Genre, pas longtemps, mais je crois que je me suis endormie. Voilà, quelle pointure choses-tu? 38, 39, ça dépend des chaussures, mais en général, je fais du 38. As-tu déjà cuisiné un gâteau? Oui, absolument, oui, j'adore cuisiner et j'aime trop faire des pâtisseries, mais pas pour moi, genre pour les autres. Et je sais qu'il n'y a pas que moi qui aime faire ça, genre la pâtisserie pour les autres. Mais c'est bizarre à écouter, genre c'est bizarre à dire. Quelle est ta blague préférée? Alors honnêtement, je n'ai pas de blague préférée, genre absolument pas. Quelle serait ta voiture de rêve? Une Ferrari ou une Porsche avec une Twingo, genre deux voitures. Une voiture vraiment de marque, de luxe et tout, vraiment j'aime trop les voitures de sport, genre Ferrari rouge, une voiture rouge, je veux trop une voiture rouge, c'est mon rêve d'avoir une voiture rouge. Pourquoi? Je sais pas, rouge c'est ma couleur préférée. Bref, une Ferrari ou une Porsche, j'aimerais trop en avoir une. Et l'autre côté, j'aimerais trop avoir une petite voiture, genre une petite Twingo, j'aime trop. Thé ou café? Alors j'aime bien, alors je dirais thé, mais genre cappuccino et tout j'aime bien tu vois, genre café à la vanille aussi c'est grave bon, mais je dirais plutôt thé parce que je suis plus thé. Qui provient ton dernier SMS? Alors, ça provient d'une de mes amies qui m'a demandé un devoir, mais genre qui m'a demandé un conseil sur un devoir. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui, j'ai fait de la danse quand j'étais toute petite et j'ai arrêté à cause de mon prof qui m'a saoulée. D'ailleurs, j'aimerais bien reprendre la danse, mais j'hésite encore, je sais pas trop. J'aimerais faire plein de sport en fait, donc voilà. Peux-tu faire des bulles avec un chewing-gum? Alors, j'ai essayé, je n'y arrive pas. Jugez, vous pouvez me juger, hein, mais vraiment, j'y arrive pas. Je sais pas comment vous faites en vrai. Fumes-tu? Non. Aimes-tu le bleu? Oui, j'aime bien le bleu. Bleu électrique, c'est magnifique. Achètes-tu souvent des vêtements? Alors, souvent, non, mais quand j'achète vraiment beaucoup. Et genre là, aujourd'hui je suis allée acheter des vêtements, mais ça fait un peu mal au cul quoi, le prix. As-tu déjà fait ton propre jus d'orange? Bah oui, genre je me fais des smoothies, tout ce que tu veux, absolument. Es-tu mauvais perdant? Non, franchement c'est qu'un jeu pour moi et enfin de perdre, je m'en fous mais royalement. Quel est ton acteur préféré? J'ai pas d'acteur préféré, mais il y a plein de films genre où il y a plein d'acteurs que j'adore, donc je pourrais pas vous dire quel est mon acteur préféré. Parce que j'aime plein d'acteurs. Peux-tu résoudre le Rubik's Cube? Alors j'ai déjà essayé et je n'y arrive pas. Voilà. Honnêtement, je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment vous faites. On m'a conseillé, on m'a expliqué comment faire. Toujours rien. J'y arrive pas. As-tu déjà pleuré de bonheur? Alors pleurer de rire, oui. De bonheur? Je crois pas. Hein. Je crois pas, ça me dit rien. Joues-tu aux échecs? Non. Fais-tu brûler régulièrement des bougies? Régulièrement, non, mais j'adore faire brûler des bougies. Ma passion, genre j'adore. Aimes-tu la poésie?
Alors, ça dépend quelle poésie c'est. Ça peut être genre super. J'aime bien la poésie. Hein. Ça peut être super joli, super bien écrit, etc. Mais je peux pas en faire moi, c'est impossible. Et franchement, ça dépend quelle poésie c'est. Parce qu'il y a des poésies genre j'aime pas trop. Mais d'autres, franchement, d'autres sont magnifiques. As-tu déjà acheté sur eBay? Non. As-tu des enfants? Vu mon âge, non. Mais j'aimerais bien en avoir. Te parles-tu à toi-même? Alors oui, je parle à moi-même, genre dans mes pensées, je me dis il faudrait que je fasse ça et tout, mais je pense que je suis pas la seule. Dites-moi que je suis pas la seule, s'il vous plaît. Quelle est ton actrice préférée? Alors comme pour l'acteur préféré, je n'en ai pas. J'aime plein 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 d'actrices. Voilà, bain ou douche? Alors je prends plus de douche que de bain, mais j'aime bien les bains. Veux-tu des tatous? Alors des tatouages, franchement, là maintenant non, mais pourquoi pas si c'est vraiment un tatouage genre qui symbolise un truc dans ma vie qui s'est passé ou vraiment qui me symbolise vraiment vraiment beaucoup quelque chose. C'était pas français ce que j'ai dit, mais genre ça me symbolise un, genre c'est quelque chose qui symbolise beaucoup dans ma vie. Ça serait ça comme tatouage, mais sinon non, pas que je, pas vraiment. Que ferais-tu si tu gagnais à la loterie? Alors si je gagnerais à la loterie, je mettrais de côté. Mais je partagerais avec ma famille, je leur offrirais un gros voyage, je me ferais un gros voyage. Et voilà. Aimerais-tu designer ta propre maison? Pourquoi pas, franchement, pourquoi pas? As-tu peur des aiguilles? Non, mais j'aime pas trop ça non plus. Mais j'ai pas peur. Connais-tu la mécanique? Moi et la mécanique, tu me vois faire de la mécanique? Non. Tu la musique? Absolument que oui, mais un grand, grand oui. J'adore la musique. As-tu des ennemis? Non. Pas que je sache. Lunettes ou verre de contact? Alors, moi j'ai plutôt des lunettes, comme vous l'avez vu. Mais pourquoi pas des lentilles en vrai? Pourquoi pas? Ville ou campagne? Alors, j'aime bien les deux. Ça peut paraître bizarre, mais j'aime bien les deux. Mais après, la campagne, c'est plus calme et tout, c'est genre trop bien. Mais la ville, c'est dynamique et tout. Genre, ouais, j'aime bien les deux. Toi, t'appelles-tu comme cela? Bah, qu'est-ce que j'en sais? Je m'appelle Maude et je m'appelle Maude. Tout simplement parce que mes parents ont voulu m'appeler Maude. Voilà. Un emploi que tu n'aimerais pas faire. J'aimerais pas être prof parce que c'est horrible. Genre, tu te fais pas respecter. Enfin, certains profs se font pas respecter. Parfois t'arrives pas à avoir ton autorité et tout, genre j'aimerais pas, en vrai j'aimerais pas, genre tu sors du lycée, genre de tes études et tout, pour faire quoi? Retourner au lycée ou au collège, travailler là-bas? Non! Ou femme de ménage, mais je respecte les profs et les femmes de ménage, hein, parce que c'est un travail vraiment incroyable ou même éboueur, mais je pourrais pas faire ça. Talon haut ou talon plat? Talons hauts, j'aime bien les deux, mais franchement, je préfère les talons, mais vraiment à 1000%. Aimes-tu les mathématiques? Bof, bof, franchement, ça dépend quel chapitre c'est. Il y a du chapitre où ça va me plaire, des chapitres où ça va me plaire, et d'autres, je vais rien comprendre, je vais être paumée, je vais être en mode pourquoi je suis là, mon cerveau est en ébullition. Je comprends pas forcément, mais c'est pas mon fort les maths, donc voilà. Fossiles ou faux ongles? Alors, j'irais les deux. Oh, je suis une catastrophe. Fossile parce que j'adore et faux ongles parce que j'adore. Bah, j'adore. Voilà. Et franchement, mes ongles, comment vous dire que c'est un peu la cata? Ils se dédoublent, ils se cassent et tout. Genre, c'est. Ouais, franchement, catastrophe. Et j'aimerais avoir les ongles longs. Mais. Bah, je demande ça à mes ongles, mais ils veulent pas. Hein. Et fossile, j'aime trop. Donc, ouais, j'irai les deux. As-tu déjà eu une chirurgie plastique? Bah, absolument pas, non. À mon âge, absolument pas. Une chanson qu'étonnamment tu aimes? Ah bah je sais pas. À part ah si avant j'aimais pas trop genre certaines chansons de l'époque que maintenant j'écoute parce que j'aime bien. Mais sur le coup il n'y a pas de chansons que je détestais avant ou quoi ou qui me choque que j'aime. Franchement j'en ai pas. Cuisines-tu? Oui souvent j'adore cuisiner et si je pourrais cuisiner tous les jours je le ferais. Ça serait compliqué quand même. Mais franchement je le ferai, absolument. As-tu déjà rencontré des vedettes? Pas que je sache. En vrai, j'ai l'impression d'avoir déjà rencontré des vedettes, genre des stars et tout. Mais je crois que c'était dans mes rêves, hein, parce que j'ai aucun souvenir. Studieuse, oui, je n'ai aucune facilité. Du coup, je suis obligée de travailler, mais genre énormément. Combien as-tu de contacts dans ton téléphone? Eh ben, écoutez, je ne sais pas, nous allons regarder ça tout de suite. 141 contacts, voilà. Et c'est tout les amis, c'est fini.
Voilà, c'est bon, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'apprendre à mieux me connaître. Un petit peu plus de trucs et tout sur moi, voilà, voilà. N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. J'ai du mal à parler en fin de vidéo. Mon Snap s'affiche juste ici et mon Instagram ici au cas où. C'est les mêmes, ouais, c'est les mêmes pseudos, oui. N'hésitez pas aussi à vous abonner en cliquant sur ma tête juste ici et en cliquant sur ma dernière vidéo juste ici pour aller la voir. Et voilà, et n'hésitez pas à liker si vous voulez ou disliker comme vous voulez. Vous faites absolument ce que vous voulez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.